Toi ? Mais qu'est-ce que je fais là ? Bouge pas. Tu vas tout comprendre. Je suis au courant que tu prépares un rétro game test sur Metaslug. Au courant que tu es en relation avec les développeurs et que tu détiens des informations en exclusivité mondiale. Tu vas tout me dire. On y est. Oh, ouais, sûrement à l'intérieur. T'as vu le nombre de gardes, t'es sûr qu'on va y arriver, il y en a partout. On n'a pas le choix. On peut pas laisser Mewa s'emparer des informations pour son émission. Mais t'es un ouf, c'est une version US, ça vaut une blinde. Mais tu peux pas faire ça. C'est quoi ça? Il vient de me libérer. Carole, on y va là. Je peux pas, je vais vous ralentir, je suis blessée là. Elle a pas tort, vous y allez. Ok, prends ça. Carole, ton sacrifice ne sera pas vain. Nous allons révéler à la face du monde la vérité sur Metal Slug. Tous les secrets que nous avons récupérés pendant un an de dur labeur, ne t'inquiète pas, nous allons leur révéler. Salut Joël, ça va? Salut, bah nickel. Ouais. Alors aujourd'hui, on va faire une émission vraiment spéciale, et en plus je dis une émission, ça va être... des émissions, parce qu'on va faire deux émissions sur un thème assez spécial, parce qu'on va jouer à Metal Slug. On va le faire en deux étapes, donc deux émissions sur le thème de Metal Slug. Et donc toi Joël, tu es un fan d'Irem. Alors pourquoi, quel est le rapport un petit peu avec Metal Slug avec Irem? Eh ben alors effectivement, parce que Metal Slug c'est un jeu qui est sorti sur Neo Geo en 96 et qui est signé par une firme assez obscure, Nazca. En fait ce sont des gens qui sont issus de IRM, voilà, qui ont fait des jeux qui étaient dont certains étaient dans la lignée de Metal Slug, qui étaient des prémices en fait. Quand IRM a fermé ses portes, du moins le studio de développement. Donc c'est ça qu'on va vous raconter aussi. Voilà, c'est une équipe au sein d'IRM a eu l'opportunité de fonder Nazca et de poursuivre l'aventure sur Neo Geo. C'est pour ça qu'on va jouer à deux jeux dans la première émission. Deux jeux qui sont ultra proches de l'esprit de Metal Slug. Vous commencez déjà à voir toutes les petites explosions, les animations qui sont un peu, je dirais même proches un peu de Metal Slug. Toute cette animation qui est assez, comment on pourrait dire, très très détaillé. Très détaillé, voilà. Ouais. Les animations, puis les arrière-plans, enfin tout est super détaillé en fait. Hein. Des très très belles nuances. C'est un vrai travail d'artiste, hein, selon moi en tout cas. Là, on va retrouver encore les personnages qu'on délivre, les petites, les demoiselles. Beaucoup là, disent que c'est Metal Slug. C'est-à-dire, on est très proche de ce que deviendra plus tard au niveau du détail Metal Slug. Alors, on est complètement dedans, ouais. Non, pour moi, c'est pas Metal Slug Zero. C'est vrai qu'on est dans un human action game, donc forcément plus proche de Metal Slug. C'est vrai aussi qu'on a cette patte graphique qui est caractéristique, hein, les couleurs, la façon de dessiner qui fait immédiatement penser à Metal Slug. Donc ce qui fera, donc, comme on expliquait, en mars 94, IRM ferme. Et en mai 94, ouvrira Nazca. Et ça, ce sera dans la prochaine émission. C'est dur. On a du lourd, on a du très très lourd à vous montrer. Vous pensez connaître Metal Slug, ceux qui sont ultra fans de Metal Slug, je pense qu'on peut dire qu'ils vont en apprendre beaucoup. Je sais pas, il y a des chances pour qu'ils apprennent ouais, pas mal de choses. Ça y est, on y est. On y est, Joël? Eh oui, on rentre dans le cœur du sujet. On y est. On vous a laissé patienter quand même un petit peu avec une petite annonce en vous disant vous allez apprendre des choses, etc., etc. Donc effectivement, Carole ne se sera pas sacrifiée pour rien. Il y a intérêt. Alors aujourd'hui, effectivement, on va jouer à Metal Slug. Enfin, mais vous allez voir que cette émission est assez spéciale. Elle va être différente de toutes celles qu'on a fait auparavant. Et on va vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Mais avant tout, on revient un petit peu sur ce qu'on avait dit à la précédente émission. Donc on avait joué à Ins Hunt et Geostorm. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas vu la précédente émission, d'aller la voir. Ça vous permettra un petit peu d'être dans le bain. Ouais, c'est important. C'est important, je pense. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'autre émission. Ça vous permettra de comprendre un petit peu toutes ces personnes qu'on a introduites précédemment. J'allais dire tout à l'heure, mais c'était précédemment.
Donc Nag, Meur, Okui, Ia, etc., etc., Akio. Et donc alors, on expliquait, donc en mars 94, donc IRM ferme. Du moins la division développement. Jeux vidéo, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe là après? Alors qu'est-ce qui se passe? Faut qu'on en parle un petit peu, hein. Faut qu'on rentre... Vous allez comprendre pourquoi, hein. Eh bien, peu de temps après, 2 mois après, c'est l'ouverture de Nazca. Alors, 2 mois, c'est évidemment très court. Mais c'est très court. Eh, mars, mais déjà, Nazca existe. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est pas du tout le hasard. C'est simplement que, comme on l'a dit dans l'émission précédente, le personnel de chez IRM était au courant de la fermeture. Et donc, en fait, ils avaient anticipé. Voilà. Ils avaient pris des contacts, ils avaient préparé le terrain pour pouvoir avoir un après. Voilà. Mais alors, tu vas dire contact parce que... Ben parce qu'en fait, donc IRM faisait partie de ce qu'on peut appeler la sphère Osaka, la sphère du jeu vidéo d'Osaka. Donc c'était des développeurs qui travaillaient tous dans la même ville et dans des secteurs géographiques assez proches. C'est vrai qu'ils étaient à Osaka. Voilà. Et mais qui est chez... Parce que là, on va dire, il y en a plein qui vont dire, mais à Osaka, il y a quelqu'un d'autre. Ouais, non, il y a un très autre... gros, voilà, qui est bien connu, qui est SNK. Voilà. Qui est à Osaka. Voilà, et il se trouve qu'en fait, ces personnes se connaissaient, se fréquentaient, parfois mangeaient ensemble le midi, etc. Donc il y avait des discussions. Et en définitive, rapidement, le fait que l'équipe, alors on peut le dire, l'équipe Kaitei Daizensu, l'équipe qui c'est a. C'est ça, voilà, c'est ça. Le noyau dur qui a créé In The Hunt, allait se retrouver sans emploi, a intéressé SNK. Et c'est un peu comme ça que Nazca a pu se monter, en fait. Parce que c'est une info que peu de gens savent, ou enfin qui est pas vraiment connu, mais Nazca en fait a été créé dès le départ comme une filiale de SNK. C'est-à-dire que c'est SNK qui a injecté de l'argent. Voilà, qui a mis les moyens financiers pour que cette structure puisse se monter. Alors géographiquement, ils n'étaient pas dans les locaux de SNK, ils étaient dans des bureaux indépendants qui étaient à proximité. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ok, on va vous ouvrir votre boîte, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi, mais effectivement, vous êtes indépendant, vous ne faites pas partie de... Voilà. C'est-à-dire qu'ils auraient pu les intégrer et puis en fait les dispatcher, récupérer les programmeurs, les mettre dans la team qui faisait uniquement le développement, récupérer les graphistes, les mettre dans la team de... Alors pourquoi ils ne les ont pas intégrés? Parce qu'en fait, la raison pour laquelle Nazca a été fondée et sous cette forme, c'est que la finalité, c'était de développer des jeux pour console. Des jeux pour Saturn et pour PlayStation, qui étaient des adaptations des hits Neo Geo. Donc en gros, c'était effectivement, il leur fallait, ils n'avaient peut-être pas forcément les employés pour chez eux, ils n'avaient pas le temps de ça, et ils ont voulu effectivement avoir une division spéciale qui se chargerait de ça, en fait, c'est un peu ça. C'est ça, une façon de déléguer le travail à une entité qui était capable, qui avait toutes les compétences pour le faire. Donc d'ailleurs, alors les petits, là, les 15 personnes de chez IRM, effectivement, quittent donc IRM, fondent Nazca. On peut dire déjà Nazca d'où ça vient un petit peu, parce que on s'en doute un petit peu, mais nous, on a la confirmation. Voilà, c'est quelque chose qui nous a été confirmé. En fait, Nazca, c'est simplement le nom des lignes au Pérou. Voilà. Donc, ces lignes énigmatiques qu'on peut voir que du ciel. Voilà. Voilà, c'est et qui représentent des animaux gigantesques dessinés avec des lignes de pierre, des alignements de pierre. Donc voilà, donc exactement, donc le nom de Nazca a été décidé par tous les membres, c'était un des candidats, donc il y avait plusieurs candidats. Nazca en référence aux lignes de Nazca au Pérou. Voilà. Voilà, exactement. Et effectivement, on nous dit le staff de Metal Slug est exactement le même que celui de Kaiten Daisensu. Nazca avait été établi par cette team, donc effectivement, fondée par SNK, quand IRM a fermé la section développement. Donc voilà, donc c'est réellement... SNK qui a mis les billes dans cette division, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que là, tu viens de me dire, on leur dit, vous allez adapter nos jeux, les King of Fighters, etc., sur Saturn et PlayStation. Ce qui était logique, parce qu'on l'a dit dans l'émission précédente, mais c'était des gens qui développaient des jeux d'arcade, mais qui développaient également des jeux sur console. C'est ça. Voilà. Mais ils aimaient quand même l'arcade, ils aimaient énormément l'arcade. Donc ils ne se sont pas empêchés, quoi. Ils pouvaient pas rester simplement à faire de l'adaptation, et ils ont dit à SNK, oui, mais voilà, nous, on aimerait bien quand même développer un jeu qui nous ressemble, un jeu qui soit dédié à l'arcade. Et du coup, en fait, SNK leur a dit, écoutez, voilà, ce que vous faites les jeux console. Si à vos heures perdues vous voulez développer un jeu, allez-y, mais débrouillez-vous. Faites-vous plaisir, voilà, c'est ça. Mais débrouillez-vous, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, alors, ils font des jeux consoles, et donc pendant un certain temps, ils vont travailler sur un projet. Mais dès le début, en fait. Dès le début. C'est-à-dire en mai. D'ailleurs, alors, juste pour faire une toute petite parenthèse, pendant longtemps, on était persuadés, intimement c'est convaincus, vrai, que Metal Slug était un projet de chez IRM, parce que notamment, ils sont partis avec les ordinateurs de chez IRM,
pour pouvoir avoir leurs outils de développement. Mmh. Et on était convaincus, il n'y a que très peu de temps qu'on a réussi à avoir un autre regroupement qui fait que maintenant on se dit que non, Metal Slug n'était pas un projet de chez IREM, mmh. bien qu'on en était intimement convaincus pendant un temps. Ouais, pendant assez longtemps. Pendant assez longtemps. Et bien qu'ils nous disent pourtant que non, pas du tout. Ouais, on était convaincus avec certains regroupements, on se disait c'est pas possible. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, pendant un an, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur un jeu. Voilà, ils vont faire ce qu'on leur demande, plus travailler sur un jeu. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là? Explique-nous un petit peu. Alors, en fait, ils seront à même de le présenter pour la première fois en août, enfin, on va dire en été 95. Voilà, et donc, qui s'appelle Metal Slug. Voilà, donc c'est ce fameux jeu. Et effectivement, il y a un location test en août 95 qui se fait à la salle de SNK à Osaka. Voilà. Alors, les critiques sont plutôt bonnes. Plutôt bonnes dans le magazine, ouais. Plutôt bonnes. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer malgré tout? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que du côté des fans de la Neo Geo et du côté des SNK, les critiques vont être assez sévères. Le jeu sera jugé trop lent et pas dans les standards des jeux Neo Geo. Donc, qu'est-ce que tu es en train de dire, trop lent? Donc, alors, c'est là qu'il faut que je vous annonce. C'est là où on va venir. Voilà pourquoi on discute depuis 5 minutes. Alors, parce qu'en fait, Metal Slug dans sa version, la version dont on est en train de vous parler, c'est qu'il a été présenté pour la première fois lors de l'été 95. C'était un jeu qui est très différent du jeu qu'on connaît. Alors on parlait de Gun Force 2 dans la précédente émission, on disait que c'est un Metal Slug 0. Mais alors il existe réellement. Un vrai Metal Slug 0. Donc voilà, c'est ce fameux Metal Slug qui est présenté effectivement à la presse. Et on va commencer, alors juste pour dire effectivement, donc c'est pas du tout le même jeu parce que, est-ce qu'on a quelques petits détails avant de commencer l'émission à dire? Alors déjà c'était un jeu qui était centré uniquement sur le char. Il n'y avait pas de personnage. Il n'y avait pas de personnage humain, enfin il y en avait mais voilà qui était secondaire. C'était les ennemis, ou voilà, ouais, on en reviendra effectivement. Quand il en soit, on pilotait uniquement le char. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'était un jeu qui était, on pourrait dire, plus une version terrestre de In the Hunt en fait. Alors, parce qu'à la base, c'est un projet de Nag. Nag, on vous avait expliqué que c'était le papa de In the Hunt. Donc ce game designer va être la première personne à travailler sur Metal Slug, sera rejoint par Meyer, comme on vous expliquait, qui avait fait Gun Force 2. Donc les gens, à tort, disent que Metal Slug est une combinaison de In the Hunt et de Gun Force. C'est le cas, mais à l'origine, il n'a jamais été développé. Les origines, ils n'ont jamais pensé à faire Metal Slug en associant les deux. C'est bien plus tard que ça va être fait. Ouais. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. On pourra débattre après. Voilà, on pourra débattre. Alors, le jeu est mal reçu. Et d'ailleurs, donc Nag est interviewé dans le Retro Gamer 62, comme on disait. Et il dit, je pense que certaines parties des stages ont été refaites, mais je ne m'en souviens pas très clairement. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, donc on va jouer à Metal Slug 1, mais nous, on va s'en souvenir pour lui. Parce que nous, on a réussi à se procurer ces fameux stages qui vont être abandonnés, très clairement, parce que qu'est-ce qui va se passer? On va commencer, et effectivement, ils vont repenser deux stages. Il y a deux stages qui vont changer de, on va dire pas tout au tout, mais le décor. Ouais, les décors vont énormément évoluer, puis tout le gameplay va évoluer, ce qui va avoir une incidence assez forte sur les décors. On commence. Allez. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, et j'ai ici, alors là on va faire déjà une regardez, tadam. Alors là, donc c'était le début du stage, là on voit effectivement que là on commence avec une espèce de statue. Statue Bayon. Et c'est toujours dans l'esprit un peu NASCAR, hein. C'est voilà. Dans l'esprit mystérieux quoi. Voilà. Donc voilà, le début du premier stage devait se commencer, en fait, c'était un espèce de petit panton. Voilà. Voilà, puis une jungle assez opaque, quoi, assez dense. Voilà. Alors que là, on voit que c'est beaucoup plus clair. Alors, ce qui se passe, en fait, c'était le tank qui arrivait en parachute. Ouais, exactement. Voilà, et c'était pas le personnage. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir le stage qui a été abandonné, enfin, le pan de stage. Et là, on arrive. Et effectivement, c'était un jeu qui était assez dark, et voilà pourquoi ils ont changé. Comme vous allez pouvoir le voir, là on peut voir le sous-marin. Le sous-marin était marécageux, on voit bien qu'il y avait de la vase, il y a tout ce genre de choses. Et en fin de compte, il y avait un esprit un peu dark au début. C'est ça, ouais, c'était un jeu qui était assez sombre et qui cadrait pas trop avec l'esprit Neo Geo.
Donc ils l'ont retravaillé graphiquement pour arriver vers des choses plus chatoyantes, des couleurs plus claires, plus sympas, plus... Dans l'esprit des Senka, effectivement. Ouais, exactement. Donc voilà, donc là on va arriver après. Alors ça, dites-vous une chose, c'est que ce que vous voyez là, c'est carrément exclusif, c'est du jamais vu. Ça n'a jamais été montré. On a réussi à l'avoir, ne nous demandez pas comment, mais on les a. Donc voilà, donc là vous avez le stage. Et donc juste après, là on vous allez voir aussi que là, là c'est très clair. C'est très. Là on voit que c'est très. Il y a le ciel derrière. Voilà, c'est assez lumineux quand même. Voilà. Alors que là, vous voyez, dans la première version, c'était très dark. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est-à-dire que la première version de Metaslug était un peu sombre. Et à un moment donné, ils ont effectivement pris les personnages Marco et Tarma. Et c'est devenu un jeu un peu plus comique. Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu d'être premier degré, un jeu vraiment guerrier, comme un peu à la Galop, j'ai envie de dire, ou à la In The Hunt. C'est devenu un jeu avec un côté plus humoristique et puis plus dynamique aussi, je pense, hein, dans l'action. On reviendra sur ça, effectivement, sur les stages, sur le dynamisme, t'as raison, exact. Hein. Et donc, oui, donc ils ont un peu... C'est devenu un peu plus comique, on va dire. C'est devenu, ouais, franchement plus comique. Hein. Alors là, on va arriver à un pan du décor qui n'a pas changé, parce qu'effectivement, il était déjà très clair, là, il n'y avait pas raison de changer un peu le décor. Mais cela dit, une chose qu'on ne voit pas dans le jeu, c'est le dessus, les rochers au-dessus. Et regardez comment ils sont de toute beauté. Magnifique. C'est vraiment, mais là, on peut le voir très clairement, là, c'est vraiment de toute beauté, quoi, le dessus des rochers. Et on va voir une chose qu'on vous a dit à la précédente émission. Donc il y a le 8, on le voit déjà un 8, mais il y a un autre 8 qu'on vous montrera tout à l'heure. Parce que on vous avait dit à la fin de l'émission, de précédente émission, qu'on avait le fameux dessin. Exact. Number One. Et là on voit les grues. Voilà. On revoit les grues. Un peu comme une figure de style qui revient à chaque fois. Tout le temps. C'est vrai que on voit vraiment que là on est dans un jeu de chez IREM, quoi. Ouais. C'est du IREM. Fabrique. Exactement. Alors. Donc là, on va arriver au deuxième stage. À l'origine, ils avaient prévu de faire 6 stages. Ouais. Mais finalement, la version du Metaslug 0 qu'on expliquait comporte 5 stages. 5 stages, ouais. Alors explique-nous pourquoi. Alors, c'est une histoire complètement dingue. C'est des raisons qui sont purement circonstancielles. En fait, donc on avait parlé, parmi les personnages qu'on a mis en évidence dans l'émission précédente, de Okui, qui est un graphiste. Qui est graphiste. Et qui, à l'époque où ils ont développé Metaslug, habitait à Kobe. Et à cette période-là, en fait, il y a eu un tremblement de terre. En 1995, il y a eu le fameux tremblement de terre, voilà, de Kobe. Dont tous les médias ont parlé en long, en large, en travers. Et en fait, il se rendait au bureau en voiture. Et durant cette période, tous les moyens de circulation étaient complètement... Ouais, c'était le chaos. Dévasté, ouais, c'était le chaos complet, ce qui fait qu'il n'a pas pu se rendre au bureau pendant des mois. Et le projet a pris du retard pour cette raison. Et ils ont décidé finalement de ne faire que 5 stages sur les 6 qui étaient prévus. Et donc ce stage-là que vous voyez là, ce stage-là, par contre, il n'a pas été retravaillé, il n'a pas été amélioré parce que tout simplement il n'existait pas, ce stage-là. Voilà, c'est un stage, d'ailleurs on le voit bien, c'est un stage qui est vraiment orienté plateforme et qui a été pensé pour cette version Human Action Game. Run and Gun, c'est vrai qu'eux disent Human Action Game. Voilà, ouais. Donc effectivement, là on voit bien, de toute façon, ça aurait pas pu être le char. Autant dans le stage d'avant, on voit bien qu'ils auraient pu laisser les décors tels quels parce que c'était linéaire. Mais ils ont voulu changer le background pour changer l'esprit du jeu, qui soit plus comique. Mais là, pour le coup, là, c'est plus un jeu de plateforme. S'ils avaient fait... Enfin, ce stage-là ne peut pas venir de la première version. En fait, il n'aurait pas eu de sens dans la version précédente. On n'aurait pas pu jouer qu'avec un tank sur ce stage-là, quoi. Ouais, ça aurait été compliqué, et puis sans intérêt, en fait. Alors, aussi une chose, c'est-à-dire qu'effectivement, les stages initiaux étaient plus courts. Parce que le nom Metaslug, ça veut dire quoi? C'est la limace de métal. Et la première version était très lente, le jeu était très lent. Voilà, c'est un jeu où on progressait, un peu comme dans In The Hunt, hein, finalement, qui est un jeu assez lent. C'était un jeu où on progressait à son rythme, il n'y avait pas de scrolling forcé, bien que ce soit un esprit un peu shoot'em up. Et donc, ça permettait d'avoir des niveaux qui étaient relativement courts, sans que le jeu soit court pour autant. Oui, parce que le tank était lent. Voilà. Donc il fallait mettre un certain temps pour finir le stage. Mais quand ils sont passés à une version avec des humains, le jeu était plus péchu. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le compositeur IA
a dû. En fait, il s'est pas amusé à refaire les musiques. Voilà, il a réutilisé les musiques qu'il avait déjà faites pour la version initiale. Simplement, il a accéléré un petit peu le tempo pour que ça cadre mieux avec le dynamisme général qui était plutôt amélioré. C'est exactement ça, il a speedé un petit peu plus les musiques. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous expliquait ça, c'est un stage qui a été refait, qui n'existait pas. Et c'est pour ça que cette musique-là est la même musique que la musique du stage du prochain stage. Voilà, c'est ça. Parce que comme on le disait, il y avait dans la toute première version, même s'ils avaient annoncé 6 stages, ils en avaient fait que 5. Du coup, ils avaient fait 5 musiques. Et donc la musique qu'on entend actuellement est employée voilà, dans le stage suivant. Alors là, on va arriver à un passage. Ce passage-là, je me suis toujours dit la première fois que j'ai joué, mais ce décor me fait penser à Porco Rosso de Miyazaki. Mais je ne sais pas mais pour moi toi. Aussi, hein, moi aussi. Même les avions vont arriver. Donc là, on va voir les avions. Et donc effectivement, il lui a été posé comme question à Nag, mais vous êtes inspiré dans le Retro Gamer 62, mais vous êtes inspiré de Porco Rosso, un peu de Miyazaki dans l'esprit, quoi. Il lui pose un peu, voilà, il y a du voilà. Miyazaki dans ton jeu. Et effectivement, il le dit, oui, effectivement, mais il dit, il y avait clairement d'autres influences. On a été inspiré par le livre de Hayao Miyazaki, Dead Dream Note. Pourquoi ? Parce que ce livre-là, c'est tous les. Il y a énormément de véhicules, on voit que les véhicules sont vraiment inspirés de ça, quoi. Ouais, il y a des tonnes de tanks, de toutes les façons, bourrés de détails. Enfin, même les avions. Metal Slug. Ouais, les avions, c'est vrai. Tout vient de là, quoi. C'est troublant quand on regarde, on est vraiment dans l'esprit de Metal Slug. Donc effectivement, et alors il dit, mais on se n'est pas inspiré que de ça. Effectivement, beaucoup de personnes, dont moi, donc la première fois que j'ai vu ce jeu, je me suis dit, mais attends, le Slug, il me fait penser à un autre tank. Et effectivement, le tank que vous voyez là, ce n'est pas le tank de Metal Slug, c'est le tank de Dominion Tank Police. C'est un dessin animé de Masamune Shiro. Et effectivement, quand il lui a été posé la question, donc là on a le laserdisc, on fait vraiment dans le rétro, hein, il lui a été posé la question de dire, mais c'est Dominion Tank, t'es pas mort, t'as tout testé. C'est bon. C'est ce qu'il faut. Et il lui a été posé, on lui a dit, oui, mais attendez, est-ce que. Donc vous n'êtes pas inspiré que de Hayao Miyazaki, mais il y a du Dominion Tank Police. Et là, blackout. Apparemment, c'est une question qui est un peu délicate et. Et a priori, ça se serait pas très bien passé. Voilà, je pense qu'on ne peut pas l'aborder. Voilà, on ne rentrera pas dans les détails, mais ça s'est pas très bien passé, donc voilà. Et donc là, on va arriver donc à un autre stage, et on a effectivement le décor. Là, on voit que c'est clairement plateforme. Voilà, ça fait partie des décors qu'ils ont rajoutés par la suite. Alors, à l'origine, voilà ce que ça devait être. Mais c'est quel plaisir de vous montrer ça. Donc là, vous voyez bien qu'on est en train de. On a un stage où on monte. Donc, cette partie-là a été clairement repensée. En fait, il y a deux stages qui ont été refaits. Et les autres stages ont été agrandis. Ouais, voilà. Exactement. Donc là, en fait. Celui-ci a été doublé, hein, on peut dire ça. Je pense qu'il est deux fois plus long que ce qui était au départ. Oui, déjà en plus. Parce que, effectivement, s'ils avaient laissé les stages tels quels, avec des personnages, mais en deux secondes, on aurait fini les stages. C'est clair. Donc ça aurait été trop facile. Donc là, vous voyez, en fin de compte, mais c'est hallucinant de voir qu'il y a des décors comme ça qui ont été annulés quand même. Quand vous voyez le pont, quand vous voyez tout ce détail-là. C'est vraiment. Voilà. Et effectivement, là, on est dans une plateforme. On est complètement dans un délire de plateforme avec des petits pièges, des petites embuscades, des mini trucs à régler par-ci par-là. C'est super sympa. Avec plein de petits détails, etc. Donc là, on a le fameux premier pan du stage. On va arriver à un pan après, par la suite. Vous devez de toute façon connaître Metal Slug, je pense. Par la suite, en fin de compte, rien ne changera. Donc vous voyez, ça c'était la partie supplémentaire. Tout de suite après, on devait arriver. Voilà, ça faisait exactement ça. Voilà. Bon, c'est un peu dur avec un truc devant les yeux. Voilà, en fin de compte, c'était ça la continuité. Vous voyez, on a la chance d'avoir. Alors juste là pour dire, on va faire une. On va. Ça va. Lui, il est pas facile à tuer. Hein. Non, mais ça va aller. Alors, une chose. Ça va aller. C'est qu'effectivement, là, vous ne le voyez peut-être pas. Ou pas. Mais il y a en fait un. Normalement au-dessus, juste si on peut se poser, normalement, c'est une fois sur 20. Là, on va pas gagner au loto, on aurait. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Franchement. Mais une fois sur 20, effectivement,
il y a une petite soucoupe volante qui passe. Vous la voyez, de toute façon, il y a une incrustation qui se fait. Et effectivement, c'est un détail qu'on peut faire 20 fois une partie, enfin 20 parties différentes, et on ne le verra jamais. Et donc, des gens se disent... Mais ça veut dire que depuis le début, ils avaient pensé aux extraterrestres, parce que c'est l'ennemi récurrent, en fait, qu'on verra après. C'est ça, ouais, ça fait partie des éléments majeurs de la série. Hein. Et en définitive, pas du tout, quoi. C'était un petit délire perso qui a été fait comme ça sur le moment par Okui. Il a proposé des petits personnages qui venaient habiller le jeu et dans la foulée, il a fait ce petit ovni parce qu'il trouvait ça sympa, quoi, tout simplement. Et donc là, effectivement, on peut le voir que ça n'a jamais été pensé tel quel parce qu'on peut voir, effectivement, c'était des petits bonhommes gris, quoi, les petits, ouais. Les petits gris, quoi. Voilà, qui n'étaient pas du tout comme ceux qu'on connaît dans les jeux suivants. Voilà, et puis c'est marrant, ils avaient donné plein de petites de petits détails, vous les voyez s'afficher, hein, dans, voilà. Donc on va arriver... bientôt au boss. Et donc, alors, effectivement, les stages ont évolué donc avec le temps. Et on nous a dit, effectivement, il est naturel que les niveaux aient changé puisque les personnages ont changé. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Les niveaux étaient considérablement augmentés. C'est-à-dire que, effectivement, parce que eux, dans leur esprit, à la base, ils ont fait un jeu IRM. Ils ont fait, ouais, c'est ça, un jeu qui était complètement dans la lignée des jeux IRM. Et les jeux Neo Geo, c'était pas vraiment ça, quoi. C'était des jeux qui se jouaient aussi sur console, et donc il fallait une certaine durée de vie, une certaine longueur pour que ce soit malgré tout un investissement honnête. Voilà, c'est ça. Et donc il dit, je pense que c'était en relation effectivement avec le volume de requêtes d'SNK quand la première version a été finalisée. Nous avions fait un jeu purement arcade, alors que la Neo Geo était aussi une console de salon. Voilà. Donc ça, c'est un paramètre qu'ils n'avaient pas en disant que le NVS, c'était que de l'arcade. Ouais. Ils n'avaient sûrement pas intégré ça. Et puis je pense qu'à la base, SNK ne les avait pas vraiment orientés. Donc ils ont fait le jeu comme ils le souhaitaient, quoi, comme ils le voulaient. Parce qu'en fin de compte, SNK s'en foutait un peu de ce jeu. Voilà, SNK ne misait pas grand-chose sur ce jeu. C'était bonus, quoi. C'était, Et d'ailleurs, notamment, quand la première version a été montrée et que ça n'a pas été... ils se sont dit, oula, c'est ça le jeu. Ils n'y croyaient pas du tout. Bah, ça leur a plutôt donné raison, hein, dans le fait de ne pas croire à ce jeu. Ils se sont dit, bon, voilà, c'est sympa, mais... c'est pas avec ça qu'on va révolutionner la machine. Parce que quand même, le jeu a pris du retard. Il aurait dû sortir, a priori, à peu près au mois de octobre, novembre, et il a été quand même retardé jusqu'au mois d'avril. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même, c'est que le jeu a pris pas mal de retard quand même. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter, c'est que par exemple on parlait des ennemis. Ah non, j'ai pas montré le stage. Il y en a plein qui sont en train de se dire, oh malheureux. Mais bon, comme ils connaissent Metal Slug par cœur, ils seront pas perdus, quoi. Oh malheureux. Ah, tu l'as tué. Donc oui, à la base, le boss, c'était là, voilà, c'était ce stage-là. Il devait être ici, à ce niveau-là. Il était ici, de toute façon, on le voit dans certaines images du Game Est, le boss était ici. Voilà. Quand même, je peux pas vous manquer de vous montrer ça. Alors, donc là, on va arriver au stage suivant, donc le stage 4. Et moi, j'en perds mes fiches, en fait. Donc ça, c'est un stage qui n'a pas bougé. C'est un stage voilà, qui a été designé par Akio en personne, on peut le dire, et qui est un autre graphiste. Voilà, et qui est resté ouais, conforme à la. Pour l'essentiel, on va dire conforme au design original. C'est ça. D'ailleurs, on voit tout de suite qu'on change de palette de couleurs. On est vraiment dans des tons très très sombres. Il y a du kaki, il y a du orange, du marron, du beige. Là, on arrive dans une. Ah, d'ailleurs, j'ai éclaté le tonneau. Alors là, j'ai fait un truc qu'il faut jamais faire. Le tonneau, faut pas l'éclater, faut grimper dessus et prendre pour le char. Prendre le char. Et là, tu pourras pas effectivement. C'est la magie de Retro Game Test. Voilà. Et c'est ce qu'on fait. Le petit bonhomme là, qu'on avait vu, les petits personnages secondaires, en fait, à la base, c'était pas prévu. Voilà, c'est Okui qui ont été rajoutés comme ça parce que ça faisait sympa, mais c'était plus l'inspiration du moment et puis ça a plu, donc ils l'ont gardé. Alors. Tu parlais effectivement de la palette graphique, du background. À la base, aujourd'hui, le scénario d'aujourd'hui, qu'on connaît tous, c'est en 2028, Marco Rossi est un soldat mercenaire de l'armée régulière, membre de l'escouade des Perrine Falcon, dont la mission est de délivrer des soldats américains prisonniers du général Donald Morden. Ce général et son armée rebelle ont pour but d'asservir la planète et devenir les maîtres du monde. Ça, c'est le scénario d'origine, de base. Mais le scénario
qui a été abandonné, on peut dire ça comme ça ? Ouais, on peut dire ça. L'idée de scénario. La trame de départ. La trame de départ, en l'an 2000XX, le commandant Morden, qui veut dominer le monde, met à exécution un coup d'état militaire préparé depuis plusieurs années. Les principales villes du monde entier tombent entre ses mains, au moins de 170 heures après le début des opérations. Donc là, on est carrément dans un background, on sent que là, c'est moins fun, on est moins fun d'un coup. Ouais, c'est vrai. Et pour poursuivre, avant ce coup d'état, Phil John, un ingénieur de l'armée régulière, avait mis en œuvre un tank aux capacités encore jamais vues, le Metal Slug, et se hâta à l'achever lorsqu'il rejoigna la résistance. Et donc là, ça va nous amener, en fait, effectivement, à l'origine, Marco Etterman n'existait pas. Voilà, c'est pas du tout. C'était Phil et Michiko. Voilà. Qu'on voyait pas vraiment, qui était dans les chars et qui faisait surtout partie de l'histoire, plus qu'en tant que personnage réel, quoi. Voilà, c'était deux personnages qui ne sont plus du tout les mêmes, ils ont même pas gardé les noms, quoi, pour le coup. Ouais, non, voilà, ça n'a plus rien à voir. Donc c'est un peu ça. Alors, il lui pose la question, effectivement, on lui pose la question dans un magazine. On a l'impression que les personnages de guerre ont droit à un traitement peu enviable. Et effectivement, toujours dans ce scénario un peu lourd, pour mener à bien son coup d'état, le commandant a mené une opération particulièrement inhumaine appelée Opération Bouclier Humain. C'est pour ça que les personnages sont attachés à la base. Celui-ci consiste à placer en évidence les prisonniers dans les camps de l'armée rebelle afin de les dissuader. Voilà. Et là, tu as peut-être aussi une chose à nous dire par rapport à l'ennemi. Hein. Tu me faisais penser, tu me disais que c'était très IRM là. Ah ouais, on est à fond dans. On a vu dans In the Hunt le stage avec les deux espèces de boss aspirateurs là. C'est tout à fait ce genre de configuration. C'est vrai que c'est tout à fait l'esprit de IRM. Se retrouver comme ça enfermé dans une espèce de pièce avec deux véhicules un peu jumeaux quoi. C'est ça, voilà. C'est un peu qui ont des réactions un petit peu. Et là, tu l'as eu. Ouais, mais j'ai très mal joué. Mais c'est pas évident. Faut le dire, c'est un jeu qui est pas facile quand même. Oh, ça va. Les 5 premiers stages, dans mon principe, je les fais nickel. Mais après, c'est vrai que le fait de parler, tout ça. Bon. C'est pas évident, ouais. Donc là, on va arriver donc au stage suivant. Et là, très clairement, le background un peu lourd, on l'a très clairement. Ouais, ça n'a pas évolué là. La vieille ville d'Europe, très 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 sombre, très. Et quand on détruit les façades, on assiste à des scènes pas très chouettes, quoi, des scènes de guerre un peu. Voilà. Là, comme par exemple, là, on voit des. Tu sais que j'avais jamais vu que la culotte elle bougeait après. Ah oui, si, c'est en deux étapes. J'avais jamais vu ça. C'est une petite culotte un peu rougeâtre, et puis après. Ah, j'avais jamais vu ce détail. Alors, donc là, on parle, effectivement, Metal Slug, c'était un tank. Marco Etterman n'existait pas. Et à un moment donné, l'idée va leur venir. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour les raisons, je pense que c'est ça que tu veux dire, pour les raisons du développement, pour les besoins du développement, ils seront amenés en fait à faire jouer un petit personnage humain. C'est-à-dire les soldats ennemis. Les soldats ennemis, voilà. Et en fait, à un moment donné, Oku, il va tester le truc, il va dire, mais en fait, c'est super intéressant. Et ça va les amener à repenser complètement le gameplay du jeu, en se disant, finalement, si on veut quelque chose de plus dynamique et plus en phase avec les requêtes de SNK, c'est peut-être ça la bonne marche à suivre. Donc ils vont partir sur des... Comme ils s'étaient amusés avec les soldats ennemis, là, hein. Ben, ils se sont dit, en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est que on va les rendre jouables, quoi. C'est ça, ouais. Et alors, ils vont pas faire les mêmes, forcément, mais ils vont garder ce principe. Voilà, exactement. Et donc, juste pour dire, c'est qu'à l'origine, là, on voit les barbus. À l'origine, c'était pas les barbus. Non, pas du tout. À l'origine, c'était des petits soldats classiques, en fait. C'est exactement les mêmes que les verts qu'on voit là, sauf qu'ils étaient bleus. Sauf qu'ils étaient bleus, ouais. Et ils avaient une petite particularité, c'est que contrairement... Alors là, pour nous, les personnages, là, quand on les délivre, c'est... Comment on appelle ça? C'est item box? C'est-à-dire ça, item box, ouais. C'est quoi? Sous-entendu quoi? Alors, sous-entendu, plutôt que de... Comme dans Shinobi, par exemple, on détruit une caisse et puis à l'intérieur, il y a quelque chose. Là, l'idée, c'est... Dans la première version. Ouais, voilà.
Non, dans la version actuelle, dans la version actuelle on a le prisonnier qui nous donne un objet qui va nous aider pour notre quête. Voilà. Mais dans la version originale, c'était le prisonnier lui-même qui participait à la quête. Alors, il y avait deux types de prisonniers. C'est celui qui montait à bord du char, qui dépassait, en fait, il était armé d'un bazooka et il dégommait tout droit devant. Ou bien il y avait le prisonnier qui lançait des grenades et qui suivait le tank comment je pourrais dire ça ? En fait, c'est un miroir. Les mêmes déplacements, comme dans Ninja Spirit en fait, les petits personnages qui nous suivent en fantôme, c'était ce principe-là en fait. Quand on se baisse, ils se baissent, quand on avance, ils avancent. Et alors, passage. Là il faut tout. Ah bien, ça va, tu. Ah, et en plus, on a un autre tout de suite. Ouais, c'est pour ça, des fois, il faut hésiter à l'exploser sur le mur, ce que je n'ai pas fait. Mais... Donc, effectivement, ils te suivaient et c'est une idée qu'ils reprendront dans Metal Slug 2. Voilà, ouais, avec le petit prisonnier qui fait des boules de feu. C'est exactement ce même délire. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, vous pouvez voir, en fait, là, que vous les voyez s'afficher, effectivement. Ce qui est fou, c'est que ces personnages-là, ils sont encore disponibles, ils sont dans la ROM du jeu, quoi. C'est-à-dire que vous les voyez s'afficher, vous les voyez en fait les soldats tels qu'ils étaient quand ils étaient capturés en fait, avant que ça devienne les barbus quoi, les barbus, oui exactement. Donc ce qu'on a vu dans ce stage-là, c'est que ce stage-là par contre a été rallongé. Ouais, à mon avis, les deux murs là qui nous bloquent, je pense que c'était une petite astuce pour rallonger artificiellement le niveau. En fait, simplement dupliquer le petit piège qu'on nous tend à un endroit, on le fait deux fois au lieu d'une, et voilà quoi, ça c'est une manière d'accroître un petit peu le... Exactement. Ah, petit peu de mal là. C'est pas évident, hein. Metal Slug, ça n'a jamais été un jeu évident, de toute façon, c'est vraiment... Et tu considères Metal Slug comme un jeu hardcore quand même ou pas? Parce que beaucoup, pour beaucoup, cas, c'est comme du Ghouls and Ghosts. Hein. Ah bah pour moi, voilà, c'est ça. C'est un des jeux d'arcade les plus emblématiques. Je parle pas des ventes ou du succès, je parle vraiment de sa conception. Il est en peu de stages. Et là, on vient de voir le temps passé. Exact. Alors juste, si on peut dire une chose, c'est qu'à la base, donc effectivement, il n'y avait pas les deux personnages, donc on pouvait jouer avec deux tanks. Voilà, et qu'ils étaient de couleurs différentes. Et c'est d'ailleurs pour ça que là, on peut le voir dans la jaquette de Metal Slug, le tank, vous le voyez s'afficher, le tank. Beaucoup se disent, mais comment ça se fait que le tank, il est... De couleur différente, ouais, dans la présentation, enfin, c'est pas la couleur du tank qu'on a dans le jeu. C'est parce qu'en fait, à l'origine, le premier joueur utilisait un tank doré et le deuxième joueur avait un tank gris. C'est ça, hein? Je sais plus exactement c'est quoi le... C'est ça, hein, mais effectivement, il y avait un tank doré, quoi. C'était ouais. Le deuxième personnage ou le premier, c'était un tank doré. Et c'est d'ailleurs là qu'on peut se dire que dans In the Hunt, en fait, c'est pareil. C'est en fait le premier player, c'est un tank, c'est un sous-marin doré. Oh, ouais, enfin orange. Orange, ouais, enfin une espèce de cuivre, on va dire. Et le deuxième, il est un peu gris. Et en fait, non, c'était dans Metal Slug, c'était le deuxième player dans la première monture, qui était un peu doré. C'est le deuxième player. Ah d'accord. Ouais, c'était le deuxième player. J'ai dit l'inverse. Voilà, c'est ça. donc voilà, effectivement, c'était et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la base, il a été très clairement fait comme étant, on peut pas dire un In the Hunt 2, la première version c'était pas un In the Hunt 2, mais c'était comme tu disais la version terrestre de In the Hunt, quoi. C'est ça, ouais, c'est enfin, en tout cas on retrouve la paternité, quoi. On retrouve le... Et alors là, à un moment donné, Meyer, qui est le deuxième game designer, était un peu sur le projet et on sait une chose, c'est que ça n'a pas plu à Nagel cette nouvelle version. Parce que c'était pas le jeu tel qu'il l'avait imaginé au départ, il avait une vision artistique bien précise et le fait de devoir changer, forcément, c'était pas de gaieté de cœur, surtout changer tellement en profondeur. Parce que pour lui, à la base, son jeu, c'était une déclinaison de In the Hunt. Et là, à un moment donné, donc Meyer, effectivement, est revenu un peu, était un peu là et c'est devenu plus un Gun Force qu'un In the Hunt, finalement, le jeu. Ouais, c'est exactement ça. C'est devenu un jeu plus à la façon. La recette de Meyer que de Nag. Que de Nag, c'est exactement ça. Donc là, on va essayer de pas tarder à se laisser, parce que là, on arrive quand même à la fin du jeu. Faut pas qu'on vous montre la fin du jeu. On va pas spoiler quand même. On va pas spoiler. Donc qu'est-ce qu'on aurait d'autres choses à dire? Donc là, le jeu, on dit, oui, Metal Slug est arrivé à une époque, en 96, où il y avait des Cousin Encounter, certains jeux où c'était une époque de vaches maigres. Et... Ce jeu-là, et c'est pour ça que ce jeu-là, en fait, est très rare, parce que c'était... voilà.
Mais en fin de compte, non, c'est que ce jeu-là, ils l'ont pas produit parce qu'ils n'y croyaient pas plus que ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça s'était tellement mal passé depuis le début qu'ils y croyaient pas, en fait. Simplement, ils y croyaient pas, ils pensaient pas que ce jeu allait marcher. C'était une surprise quand ça a finalement bien fonctionné. Ouais, c'est ça, en fait. Et donc, le jeu sortira en avril 96, et là, raz-de-marée. C'est un jeu qui rentrera dans les annales. Et là, SNK, se rendant compte du potentiel, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont mettre en... Ah oui, alors, vas-y, dis ce que tu voulais dire. Bah, ils vont racheter... Enfin, ils vont voilà. Pas racheter, ils vont... C'est ça que tu voulais... Disons qu'ils vont tout mettre en œuvre pour que ce jeu ait des suites, et surtout des suites qui lui ressemblent. C'est ça. Mais ce qu'ils vont faire, c'est que bah, Nazca ne sera pas resté longtemps, quoi. Sous cette forme... sous l'entité Nazca, non. En fait, ils vont... fermer Nazca. Fermer les bureaux qu'ils avaient et puis simplement s'intégrer SNK physiquement. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ils seront dans les locaux de SNK. Par contre, le choix malin que SNK va faire, plutôt que de dispatcher les équipes, et parce qu'en fait SNK avait... c'est difficile, hein, franchement, de... Tu veux que je... Ok. Ah mince, je... Ok. Et là, vous pouvez le voir s'afficher, c'est que là, à l'origine, ça devait être le tank, et il y avait un soldat qui venait vous aider, et c'était un soldat qui était à la place de la mitraillette, là. Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est ça. Ah oui, donc, pour terminer ce que je disais, donc Nazca va être intégré à SNK, donc les 15 personnes vont travailler dans les locaux d'SNK. Et SNK fait le choix de ne pas les dispatcher, c'est-à-dire de ne pas mettre les graphistes avec les graphistes, le compositeur avec les compositeurs, etc. Ça va être un peu des chouchous. Ouais, c'est ça, un peu des enfants gâtés, parce que ils ont réussi à faire un truc qui est magique, et SNK veut pas briser cette magie. Donc ils vont simplement étoffer un petit peu l'équipe avec quelques personnes supplémentaires, et en leur demandant de travailler sur les épisodes suivants. Exactement. Donc voilà, ce sera... Donc, on peut dire que c'est clairement un des jeux emblématiques de la Neo Geo. C'est pour beaucoup, il représente la Neo Geo, bien qu'il soit sorti en 96. Bien qu'il n'ait pas les gènes de SNK, quoi. Exactement. Donc... Pour terminer, on terminera gentiment, on va vous montrer le fameux dessin, mais qu'est-ce qu'on peut dire donc d'autre? C'est-à-dire que cette fameuse équipe, malgré tout, ne restera pas. On parle de Nag, qui est le game designer, meilleur game designer, Akio, graphiste, Okui graphiste et IA compositeur. Qu'est-ce qui va se passer malgré tout? C'est qu'à un moment donné, bah, quel sera leur avenir à ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont devenu aujourd'hui? Faut les prendre un par un, parce qu'ils ont eu des parcours très différents les uns des autres. Donc c'est un secret pour personne, un Nag, il a quitté tout de suite après le jeu. Tout de suite après, ouais. Enfin, Nazca, on va dire même plutôt. Il a quitté Nazca. Parce que ça s'est mal passé pour lui, honnêtement, faut le dire, voilà, ça s'est pas très bien passé. Voilà, et donc il a eu une opportunité quand IRM a à nouveau décidé de développer des jeux. Pratiquement 2 ans après, quasiment, ouais. C'est ça. 96. Au début 97, on va dire. Ouais, et du coup, il va faire partie du projet pour... On va finir le jeu, mais c'est pas grave, on va finir. Ouais, donc effectivement, il quittera... Il va travailler sur le nouveau R-Type. Et voilà, et puis il va rester comme ça chez IRM pendant un certain temps, donc IRM devenu IRM Software. Et coup du sort, autre tremblement de terre. C'est vrai. Ils n'ont pas de chance à IRM avec ça, enfin IRM Nazca, on va dire plutôt. Puisque le projet sur lequel ils travaillaient, c'était... Pas forcément lui, mais IRM plutôt... Voilà, un gros projet en tout cas qui était en cours de développement sera abandonné. Et du coup, il va partir en fait avec une partie des équipes, et il va fonder une société qui s'appelle Grand Zella, qui existe toujours. Et aujourd'hui, Nag est considéré par ses anciens collègues comme un petit peu la personne qui a repris le flambeau du style IRM. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc après, donc on a Meyer. On rentrera pas dans les détails. Non, mais on peut dire que c'est toujours un game creator talentueux et reconnu. Qui a quitté donc SNK après Metal Slug 3. Voilà, c'est ça. Il est resté jusque 2000. Après, il est parti. Après, il y a Akio. Alors, on vous dira pas, mais Akio a quitté a priori en 2010. À peu près en 2010. SNK, on gardera ça pour nous, mais il va bien. Et voilà, mais voilà, c'est quelqu'un quelqu'un de très secret. Voilà. Et puis, qui a tourné la page, on peut dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Et après, donc, on a Okui. Alors lui, il travaille toujours dans le jeu vidéo, bien sûr. Il est graphiste et voilà, il continue à faire des projets, mais par contre des projets d'envergure, quoi. D'ailleurs, il a quitté Nazca.
pour faire. Il a quitté à la fin de la première version de Metal Slug, c'est-à-dire en 95, et il a fait directement. Enfin, il a participé en tout cas à Final Fantasy VII. C'est pas rien. Voilà, c'était un gros projet, puis qu'il lui tenait vraiment à cœur. C'est super chaud là. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça lui tenait à cœur, donc il est parti faire Final Fantasy VII. Et IA. Comme on disait, il a fait partie de cette espèce de structure au sein de SNK qui développait uniquement les Metal Slug. Et donc il n'a pas rejoint la Sound Team de SNK. Et puis en fin de compte, vers la fin, on lui a proposé de diriger la Sound Team. Donc il est devenu directeur de cette cellule au sein de SNK. Donc il quittera SNK en 2000 lui aussi après Metal Slug 3. Après Metal Slug 3. Et d'ailleurs, donc. Juste si on peut dire, donc on parlait de Metal Slug 3, on arrive à la fin du jeu. Metal Slug 3, que j'ai là ici. Metal Slug 3, il était prévu que IA s'occupe d'une version différente de Metal Slug 3, c'est-à-dire un Metal Slug X. Un Metal West, 3X, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, donc il était. Parallèle. C'est-à-dire qu'il était prévu que lui s'occupe de. Comment dire, de la. On va dire quoi, qu'il s'occupe de. Il devait s'occuper de... Alors pas en tant que compositeur, mais plus en tant que... Producteur. Producteur, ouais. Parce que, bon, c'est vrai qu'on l'a pas vraiment dit, quoi. Mais aujourd'hui, donc, IA est dans la production. Voilà. Mais en fait, il a commencé bien avant. Il était à la fois compositeur et producteur. Donc, voilà, on lui avait proposé de superviser ce développement. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Voilà, exactement. Il devait faire un Metas... C'est-à-dire qu'il devait y avoir un Metal Slug 3X s'il s'occupait du Metal Slug 4, qui finalement ne sera pas fait chez SNK. Notamment, juste pour terminer, pour avoir la petite anecdote, on parlait des extraterrestres tout à l'heure, mais à l'origine, quand vous jouez à Metal Slug 3, ça devait clôturer effectivement la saga des ennemis extraterrestres. Donc là, on voit bien, quand on finit Metal Slug 3, c'est le cerveau des extraterrestres qu'on tue. Et quand vous voyez à la fin, quand c'est dans l'eau, le pistolet est dans l'eau, il y avait un espèce de poisson qui arrivait. Mmh. Et là, ça devait être... Ça devait introduire les nouveaux ennemis pour les épisodes suivants. Voilà. Qui étaient des hommes-poissons. Donc ça, c'est une interview qui est sortie de l'Arcadia de 2010, où Akio explique effectivement que l'ennemi qui devait être dans la version, on va dire, Metal Slug 4 sauce SNK, et ben ça devait être effectivement des poissons, ça devait être dans un monde aquatique. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils introduisaient le monde aquatique dans le 3. Donc voilà, c'était un peu ça. Et on va terminer par vous montrer le dessin, le premier petit dessin dont est sorti l'illustration. Je te laisse le montrer. Moi, je sais pas très bien montrer. Donc voilà. Ah, effectivement, tu sais pas très bien montrer. Vas-y. Là, voilà. Donc en fin de compte, c'était le premier dessin. Alors, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé en fait? Il est arrivé, c'est qui l'a fait? Donc c'est un dessin qui a été fait par Akio, c'était très tout début hein, de la création de Nazca, ils se sont réunis, il est arrivé avec ce dessin, donc, qui était validé évidemment par Nag et Mir. Et il l'a proposé à l'équipe en disant voilà la base du travail. Voilà. Et donc ils ont fait des photocopies, et puis tous les graphistes ont fait des photocopies, chacun a commencé à dessiner des petites idées comme ça, de situations, de pièges, de possibilités avec les armes, enfin des choses comme ça. Et puis ils ont tous rendu leurs copies, ils ont discuté un peu, voilà. Ça s'est fait de façon collégiale, avec évidemment donc Akio qui était quelqu'un de très influent et très écouté, et puis les deux game creators, ils ont fait leur tri un petit peu, et puis voilà. Et on retrouve déjà l'essence pile de ça. On voit que je vous parlais du 8, on a vu les grues, je vous disais, vous le verrez dans Metal Slug, on en a vu. Mais effectivement, le tank, dans les premiers croquis, il avait le fameux 8. Exact. C'était un fameux 8. Donc j'espère que l'image se voit bien parce qu'on a dû retravailler un peu l'image pour rajouter des contrastes, etc. etc. Donc, voilà. C'était un simple crayonné au départ, donc pas très facile à montrer à une caméra. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc, on a dit ce qu'il fallait? Je pense. Est-ce qu'on a parlé de la chronologie entre Metal Slug 3 et X? C'est-à-dire? Oui, alors juste pour vous dire que c'est une info qu'on n'a pas donnée pour ça. Alors vas-y, on se laisse ça sur ça comme ça. D'accord. En fait, c'est vrai qu'on voit souvent sur internet des gens qui disent oui, effectivement, quand on regarde, il y a des sprites qui sont dans tel jeu, oui, mais qui sont dans tel autre jeu. C'est-à-dire dans le X, dans Metal Slug X et Metal Slug 3, effectivement, dans le X, on dit oui, il y a tous les sprites du 3. Exact. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que Metal Slug 3, le développement de Metal Slug 3 a démarré bien avant Metal Slug X. C'est ça. Et ils ont fait Metal Slug X en cours de route. Ils étaient à peu près arrivés à 50% du développement de Metal Slug 3 quand ils ont développé le X.
Et c'est là qu'ils ont intégré, en fin de compte, ils se sont servis de la base de ce qui existe Metaslug 3. Ils l'ont mélangé avec Metaslug 2. Mmh. Voilà, ils ont pris les sprites et ils ont ressorti ça. Voilà, donc effectivement, et juste pour dire une petite info sympa, c'est dans le X, il me semble, qu'il y a les musiques de Metaslug 1 ou alors dans le... Ah oui. C'est dans le X, c'est ça? C'est dans le X, effectivement, et nous, on les a pas, mais non. On sait qu'elles y sont. Il y a les... Alors essayez de les chercher, cherchez-les. Voilà. Ça vaudrait le coup de décortiquer la ROM, parce qu'effectivement... Les fichiers sont là. Effectivement, il y a retravaillé les musiques du premier Metal Slug, il les a réorchestrées, réarrangées, et il les a mises dans le X, et ça n'a jamais servi, en fait. Elles y sont, mais elles ne servent pas dans le jeu. Elles sont dedans. Donc des musiques, les musiques de Metal Slug dans des versions inédites, en fait. Voilà. Donc s'il y a des fous de la programmation, faites le nécessaire, elles sont là-dedans. C'est-à-dire que là, concrètement, elles sont à l'intérieur, elles sont dans le programme. Les musiques du 1 remixées sont dans le programme, quoi. Et personne ne le sait et... Bah non, tout le monde le sait, mais... Maintenant, tout le monde le sait, vous le savez. Donc faites le nécessaire, faites quelque chose pour nous et essayez de nous trouver ça, quoi. Voilà, Joël, on a fini cette saga de Metal Slug. Est-ce que tu aurais un mot à dire? Juste pour dire qu'effectivement, il y a un livre au Japon qui est sorti, que ça nous a fait très peur. C'est vrai, ouais. Parce qu'on s'est dit, merde, c'est des Japonais qu'on nous a dit, ils ont sorti un bouquin sur Metal Slug. Ils ont fait vraiment un spécial Metal Slug, vraiment. On ne rentrera pas dans les détails, mais ils n'ont pas les informations qu'on a eues, non. Que vous avez eues. Ils ont des informations que tout le monde connaît, quoi. Voilà. Ils ont simplement fait une... Voilà. C'est tout ce qu'ils ont pu faire, on rentrera pas dans les détails. Voilà, ils ont juste pu faire ça. Voilà. Je pense que j'aurais été. Voilà, je vais heurter personne. Donc, oui, donc alors qu'est-ce qu'on peut conclure, Metaslug, tout ça pour terminer sur cette fameuse émission qu'on aura déjà fait, pour nous, c'était une belle aventure. Voilà. Une très longue aventure, c'était une préparation longue mais très enrichissante, puisqu'on a eu la chance de discuter avec les personnes qui sont derrière ce jeu. C'est juste magique. Hein. C'est juste magique. Et puis voilà, quoi. Après, que dire sur Metal Slug? Tout le monde y a joué, donc j'espère qu'on a réussi surtout à le montrer sous un jour un peu différent, avec simplement le fait de révéler qu'il existe d'ailleurs, il existe quelque part une version que peu de gens ont pu jouer, quoi. C'est vrai, elle existe. Dans des salles d'arcade, mais peut-être que plus personne s'en souvient. On a essayé de savoir si elle existe quelque part. Pour l'instant, tout le monde nous dit que non, probablement mais pas. Mais on va le dire, on a quand même une piste de pouvoir avoir quelque chose. Mais pour le moment, c'est un peu endormi. C'est pas, ouais, bon. Mais bon. C'est pas tout de suite. Voilà, c'est pas tout de suite. Mais donc, peut-être qu'un jour. On fera un rétro game test qu'avec cette version. Ah, ce serait chouette. Je pense qu'un jour on va le faire. Ce serait chouette. Voilà. Bon, on va pas s'étaler sur ça. On va pas se faire mal. Donc t'es censé dire au revoir, à bientôt. Eh bien au revoir, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao. Voilà, on y est. Donc on est juste après le générique. Alors il y en a déjà certains qui se disent, mais pourquoi tu vas nous parler des Kikakusho après le générique? Pourquoi tu en parles après le générique? Pourquoi t'en as pas parlé pendant l'émission? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand on a préparé l'émission avec Joël, on s'est dit, bon, on a fait des tris, des choix. On a dû ne pas parler de certaines choses. Et quand est arrivé les Kikakusho, donc les Kikakusho qui sont des dessins préparatoires à Metal Slug, c'est-à-dire des dessins qui permettent de voir un peu le gameplay, les stages, comment seront faits les stages, etc. On s'est dit, bon, on va en parler pendant l'émission. Oui, mais si on en parle pendant l'émission, on n'aura pas le temps de parler des autres choses. Ok, donc on en fait des incrustations. Ouais, mais si on fait des incrustations, on n'aura pour le coup pas le temps de les détailler. On ne pourra pas vraiment les détailler, vraiment aller approfondir les choses. Bon, après le générique. Et donc voilà pourquoi nous sommes après le générique. Donc là, j'ai dit Kikakusho que vous ne verrez pas, tout simplement pourquoi, parce que ceux-là, c'est ceux qu'on... On a fait un tri, on s'est dit, bon, on va vous parler de certains Kikakusho qui sont plus pertinents, ceux qui... Parce que sinon, on en a tellement qu'on y passerait des heures. Donc, je vais vous montrer quelques Kikakusho, et je pense que vous êtes assez impatients de les voir, donc on y va tout de suite. Alors, les Kikakusho, voilà ce qu'est un Kikakusho. Donc, un Kikakusho, c'est ça, il y a plein d'indications, etc. Et ensuite, il y a des dessins qui expliquent un petit peu. Alors, je vais vous expliquer. Donc, le premier Kikakusho, c'est une idée de gameplay. Alors, il devait y avoir
un tracteur ici, comme vous pouvez le voir, qui poursuivait notre tank. Et ce qui était assez sympa, en fait, c'est que ce fameux tracteur défonçait tout son passage. Donc là, on était à reculons. C'était un stage qui se faisait à reculons. Et donc, le tracteur défonçait tout. Donc, on peut voir que... donc là, on voit qu'il nous poursuivait. Hein. Donc là, on rentrait dans des tunnels. Et les tunnels, c'était des parties safe. C'est-à-dire que quand on était dans un tunnel, on ne risquait rien. Mais par contre, dès qu'on en sortait, comme vous voyez là, donc c'est toujours à reculons, hein, et ben voilà, là le tracteur il arrivait et il défonçait tout. Donc je pense que c'est une idée vraiment très intéressante qui aurait pu avoir sa place dans le jeu, mais bon, pour le coup ils n'ont pas gardé cette idée. Ensuite, alors dans Metaslug, on a effectivement une attaque spéciale, c'est-à-dire que quand on appuie sur les deux premiers boutons, on envoie le tank, on sort du tank et on envoie le tank contre les ennemis et il explose. Alors là, leur idée au début, c'était pas forcément de faire ça, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a plein d'ennemis. Et l'idée, c'était de faire une attaque spéciale, c'est-à-dire en appelant plein d'alliés, de soldats alliés, et qui venaient, comme vous pouvez le voir, ils venaient et ils dégommaient tout sur leur passage. Et voilà, c'était l'attaque spéciale. On avait toute une armée qui venait nous aider. Donc voilà, encore une idée qui ne sera pas retenue. Ensuite, on a une troisième idée. Alors là, on va voir quasiment, pas un stage complet, mais une idée de stage complet. Comme vous pouvez le voir ici, donc là, on arrivait avec l'hélicoptère. Donc voilà, il y avait l'hélicoptère qui nous déposait. Et ici, idée très intéressante. Alors, si vous vous souvenez, dans l'émission, on vous expliquait effectivement qu'il y avait deux tanks à la base. Hein. On jouait à deux players et c'était les deux tanks. Et donc, chaque tank avait été sur sa zone de gameplay. C'est-à-dire que là, on peut voir qu'il y avait un tank qui était en hauteur et un tank qui était carrément dans l'eau. Et ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que là, si on vous voyait bien, franchement, là, le sous-marin, on est très clairement dans de In the Hunt. C'est In the Hunt. On voit que In the Hunt était pas loin à cette époque-là. À l'époque du Kikakusho, In the Hunt était encore dans les mémoires. Qu'on est vraiment dans un sous-marin qui ressemble un peu à du In the Hunt. Alors ensuite, dans le stage, leur idée en fait, bon, on voit que c'était un stage à prédominance, il y avait beaucoup d'eau. Hein. Alors là, l'idée c'était qu'on passait de bateau en bateau, et si vous pouvez voir en fait, les bateaux tanguaient comme on peut le voir ici. Donc là, on voit qu'il y a le passage du tank là. Et ici, il y avait des phases safe, c'est-à-dire que là, les canons ne pouvaient pas atteindre les tanks. Donc voilà, là c'était une phase assez intéressante. Ensuite, je vais vous montrer... Donc le boss de ce stage, a priori, hein, c'était le boss de ce stage. Donc là, on peut voir qu'on est vraiment dans du design, on est dans du Miyazaki. Pour moi, c'est Miyazaki, ça, ces petites tourelles. On est vraiment dans du Miyazaki. Alors, ce qui se passe, c'est que le boss, il y avait plusieurs petites tourelles. Et on avait, comment dire, nos tanks qui étaient sur un bateau. Et comme on peut le voir ici, donc en fait, les tourelles étaient divisées en plusieurs tourelles, c'est-à-dire enfin il y avait on voit A B C D E, et ces tourelles en fait c'était ni plus ni moins c'était un bateau. Donc là on peut voir notre bateau à nous, là on était ici, là il y avait le bateau qui se déplaçait et là on avait toutes les tourelles. Donc petit à petit le bateau se déplaçait et il y avait les tourelles. Donc je pense que techniquement ça aurait été assez difficile à faire. Et pourquoi ça aurait été difficile à faire, c'est parce qu'en fin de compte leur idée de gameplay qui est vraiment exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait un canon qui envoyait des boulets. Et quand il tombait dans l'eau, et ben ce qu'il faisait, c'est que votre bateau tanguait. Donc là, on voit bien que le bateau, il tangue parce que le projectile est rentré dans l'eau. Et ce qui était génial dans leur idée, c'est que voilà, c'est qu'après, quand il revenait, il rebasculait, et ben fallait tirer. C'était comme ça qu'en fait, qu'on atteignait on pouvait, entre autres, atteindre le boss. Donc ça, c'était vraiment une idée vraiment très sympathique. Là, pour le coup, c'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas gardé. Alors, ensuite, on va passer... à un ennemi. Donc là c'est l'avant-dernier Kikakusho que je vais vous montrer. Donc là c'est un ennemi, donc là on l'a dans sa phase définitive, c'est-à-dire que c'est un ennemi avec quatre pattes comme vous pouvez le voir, et ici des pinces type crabe, voilà, on va dire que c'est des pinces de crabe. Et donc l'idée, donc là c'est la version définitive, hein. Et donc l'idée qu'ils avaient en fait, donc là on voit que c'est la version non définitive, leur idée c'était qu'en fait ce crabe il pouvait de temps en temps vous attraper avec ses pinces. Mais en même temps, quand il vous attrapait, en fait, l'idée, fallait s'en détacher. Donc, fallait dégommer, tirer dans tous les sens, là, comme on peut le voir. Donc, vous tiriez dans tous les sens, etc. Mais vous aviez une possibilité de le tuer, sinon, au-delà de ça. C'est-à-dire que là, il fallait dégommer ses quatre pattes.
voyez, vous dégommiez ses quatre pattes. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ensuite, dès qu'il a plus les quatre pattes, il y a cette partie-là. Voilà. Il était sur ses pinces de crabe, comme je vous disais à l'instant. Et là, il vous sautait dessus. Il prenait indirectement le contrôle du tank. Et en fin de compte, l'idée, c'était lui, ce qu'il voulait faire, c'était vous emmener dans le vide. Donc il fallait tout faire pour le dégommer avant et bouger le tank pour faire en sorte que il vous emporte pas, quoi, qu'il prenne pas le contrôle de vous. Voilà, donc ça c'était une idée vraiment très intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes de toute façon. Ensuite, là, alors, on vous expliquait avec Joël tout à l'heure que Okui n'a pas pu faire le troisième stage suite au tremblement de terre de Kobe. Alors, l'idée, en fait, c'était qu'en fait, leur idée, de ce qu'ils se souviennent, hein, c'est qu'en fait, ce fameux stage abandonné, enfin qu'ils n'ont pas fait tout simplement, pu faire, c'était le tank sortait d'un dirigeable, c'est-à-dire que c'était l'échappée d'un dirigeable, donc on imagine qu'il devait être dans les airs. Et ce Kikakusho, est-ce qui est a priori, ce serait, enfin, il est très proche de ce que nous a expliqué. Donc là, on voit en fin de compte que là, on était dans les airs, donc le tank avait un parachute. Et là, ce que vous voyez ici, là, ce sont des missiles. C'est-à-dire qu'il était dans les airs, il y avait des missiles qui descendaient. Là, on voit qu'on crée la vitesse. Qui descendaient. Là, on a d'autres parties de notre écran, il était là. Et on avait des ennemis, avec des tourelles qui nous tiraient dessus. Et des petites parties qu'on appellera safe. Pourquoi? Je vais vous montrer juste après. Et donc, on descendait. On était dans les airs. Et on descendait. Et l'idée, c'était qu'en fait, à certains moments, les deux missiles devaient se rapprocher. Et donc là, on voit là, il fallait que les tanks se réfugient dans des parties safe pour ne pas être écrasés. Mais l'idée qui était sympa, c'était qu'en fait, il ne pouvait pas être les deux sur le même endroit. En fait, il fallait que chacun trouve sa partie safe. Et donc, on peut voir qu'apparemment ils avaient déjà dû prévoir qu'à chaque fois que les missiles se rapprochaient, ben, dans leur idée, hein, c'est qu'il y avait deux parties safe. Donc chacun devait trouver sa partie safe. Donc voilà, donc ça c'est une idée en fin de compte qui est proche de ce qu'on nous a expliqué comme étant le stage qui a été abandonné, quoi. Voilà, dans leur idée c'était le tank qui s'enfuyait d'un dirigeable. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc c'était les Kikakusho de Metal Slug, des idées qui ne seront pas retenues dans le jeu. Donc c'était marrant en plus de montrer que dans l'émission, qu'est-ce qu'on vous a montré? On vous a montré le Metal Slug qui n'existe plus, quoi, qui n'a pas été retenu entre guillemets. Là c'est carrément des dessins, enfin des idées qui ne sont pas retenues, voilà. C'était assez sympa de vous montrer ça, enfin j'espère pour vous. Et puis voilà, à la prochaine, ciao.